Bon, vous savez ce que ça veut dire l'héritage? Non. Oui. C'est quoi l'héritage? L'héritage, Ah oui, c'est je quand... sais. Vas-y. C'est comme... L'héritage, c'est comme... S'il En fait, parle... on bat. En fait, l'héritage, c'est quand on se... par exemple, quand par exemple, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est mort, et par exemple, si elle a des filles, c'est des... Et des filles, et ben, si elle a beaucoup d'argent, par exemple, l'héritage, il se le partage. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est un héritage matériel ou financier? Oui. D'accord. Toi, Anna, c'est quoi l'héritage pour toi? Bah, l'héritage, c'est comme Achille, en fait, c'est quand il y a en fait, un père, une mère, en fait, c'est dans une famille, quand quelqu'un meurt, sur son testament, il y a écrit à qui il lègue sa maison, ses finances, ses objets. Donc, en fait, tout est dédié à lui, et après, lui, il en fait ce qu'il veut. D'accord. Et alors, par exemple, imaginons que moi, j'ai pas de maison Oui. et que j'ai pas d'argent. Oui. De quoi vous allez hériter? De tes biens, enfin de tes objets. Ouais, mais si j'ai plus rien. Bah de rien. Et il n'y a pas un autre héritage que je fais, moi, en ayant des enfants? Tu nous donnes tes habits. Oui. Mais en dehors des habits. De la nourriture, les chaussures. Et c'est quoi le but dans la vie? Bah de vivre. De bien être dans sa peau. Ah ouais? Toi, t'es bien dans ta peau? Bah oui, pourquoi je serais pas vieux? Je sais pas, et toi, Anna? Oui. Donc, faut être bien dans sa peau, et quand on est bien dans sa peau, faut d'autres choses? Pas. Bah faut se sentir bien, faut être joyeux, faut pas se dire oh, la vie est nulle, je peux rien faire, enfin faut se sentir bien, faut pas être méchant avec soi quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Comment on peut être méchant avec soi, non? Bah en se disant t'es nul. Ne pas s'aimer quoi, faut s'aimer. Comme Achille, faut être bien dans sa peau. C'est la chose principale pour tous les deux? Oui. Non. Enfin, de manger. Oui, de manger, d'avoir de l'eau, de vivre sous un toit. Après, sinon. Est-ce que c'est important d'avoir une famille? Oui. Oui? Oui, mais il y en a qui font très bien sans parce qu'ils aiment pas ça. En fait, ça dépend des goûts de chacun.